Ils ont tous pour la plupart des raisons diverses pour justifier ce geste, comme anti-stress ou encore une envie à assouvir. De plus en plus de jeunes fument tout en ayant conscience du danger. Ah, vaut mieux pas commencer parce qu'une fois que tu es déjà dedans, là, ben, c'est dur à arrêter, quoi. Quand tu as l'habitude tout le temps de fumer, ben, tu as envie de continuer. Fumer pour moi c'est un train par rapport à mon mal à diamant. Moi, il calme ma main, il empêche ma main de trembler déjà parce qu'il me donne maladie, ça fait que je tremble tout le temps. Du coup, voilà quoi, mais il fume pour, par rapport à ça. Moi, je préfère que vive mon joueur le joueur et il nous verra par la suite quelle maladie attrape ma main pour, voilà, pour y aller, c'est tout. Certains vapotent, d'autres crapotent. En langage de fumeur, cela signifie tirer sur une cigarette sans aspirer la fumée. Une technique qui n'est pas anodine pour des jeunes sous influence. J'ai beaucoup d'amis qui fument, effectivement. Ça m'est arrivé d'essayer de fumer, mais c'est pas mon truc. C'est pas. J'aime pas forcément, donc c'est pas. Voilà. Et déjà, ensuite, mes parents m'ont toujours dit que c'était pas bien. Ma mère est ancienne fumeuse, donc elle sait. Et je respecte un peu cet avis. Et, j'écoute mes parents. Je sais que c'est pas très bien pour le corps et que un cancer sur trois, c'est dû au tabagisme. Et que moi, j'aimerais qu'ils arrêtent parce qu'on sait très bien que sur les paquets de cigarettes, il y a des photos où on voit des poumons qui sont sales dus au tabac. Selon une étude sortie en 2017, 6 adolescents de 17 ans sur 10 ont déclaré avoir déjà fumé au moins une cigarette au cours de leur vie.